C'est vrai? Allumez donc la lumière. Allumez donc la lumière. Allumez donc la... Vas-y, allume donc la lumière. Paolo n'a pas payé la facture. Paolo n'a pas payé la facture. Et le rappel, personne ne lui en a parlé, hein. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Comment as-tu? Comme ça. Ceci est un interrupteur, et quand on appuie là, ça fait ça. Je viens de réaliser... Tu viens de réaliser quelque chose? Oui. Oh, tu veux pas t'habiller un peu? Non, 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 non. Je viens de découvrir la formule pour le développement de la vie tout entière. En prenant ma douche. Oh, oh, explique-moi, ça a l'air vraiment passionnant. Il se pourrait bien que les êtres vivants, tels que nous les connaissons, n'aient pas du tout été créés par Dieu. Non? Que des mots, que de la merde! C'est bon, là! Stop! Maintenant, tu fais ce que dit ta mère, sans discuter. Vous êtes des tels nazis! Nous sommes quoi? Vous avez instauré un régime totalitaire pour m'opprimer! Bon, allez, au lit, hein, comme ça c'est terminé! À vos armes, mon Führer! Oui, mais je ne veux pas non plus que les gens se disent « Tiens, en quoi est-ce qu'il balade, Paolo? C'est un bisounours, un sapeur-pompier? » Je dis juste que ton costume n'est pas brillant d'ambiguïté. Tu le préférerais brillant d'ambiguïté? Et toi? Quoi, moi? Bah, t'es en quoi? Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié. Salut Marie, tu es... C'est ça que tu veux dire par brillant d'ambiguïté? Non. C'est comme une loi de la nature. Le partenaire A couche avec la partenaire du partenaire B. Le partenaire B est blessé et couche en représailles avec la partenaire du partenaire A. Et alors ils pensent tous un instant que c'est une échappée hors du carcan conjugal bourgeois. Mais ils constatent bientôt que ça ne les rend pas vraiment plus libres. Je suis très malheureux. Ah, mais tu sais vraiment pas danser. Je pète carrément les plombs. Tes grosses lourdes chaussures de ski me font perdre la raison. Ah, reste assis là. Oublie ta femme, donne-toi l'élan. Pardon? Les pages du contenu de la boîte, c'est à moi. Allez, donne-lui un petit goût. Rien. Et la bonne qui a ouvert la cage en fer avec six dents, elle reçoit quoi? S'il faut absolument lui donner quelque chose. Nous n'avons jamais vu le monde. Notre perception est misérable. Et le soir, on met les enfants au lit et on chante une chanson. Et en quelque sorte, ça fait que le monde est rond. Mais après, j'allume la télévision. Et le monde est soudain en mouvement. Là, 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 derrière le mur. Oh, t'es ravisseur. Oui. Ils nous regardent là en ce moment, je le sens. Des dizaines de pères dieux qui sont braqués sur nous, tu t'en rends pas compte? Mais y'a rien à voir ici. Ils nous espionnent. Ils regardent à l'intérieur de nous, nous sommes en verre, et après ils savent quel genre de personne nous sommes. Et après? Je sais pas, ils nous vendent un aspirateur. Tout est mensonge, sans exception. Dieu lui-même ment, il n'est pas mort, il n'est pas allé pisser, non. Il ment comme un forcené. Et le monde n'est même pas un objet, mais de l'information sur un objet, et sur un objet qui n'existe même pas. Marie, le paquet. Quoi, le paquet? Dans le paquet. La partie du corps détachée? Oui.